Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasmaille, on est parti pour un épisode 3 de Trackmania, éditeur. Comme vous pouvez le voir, là c'est un circuit space, je l'ai appelé ça comme ça, bon, c'est pas très original comme nom mais c'est pas grave. Et c'est pour dire que voilà, j'ai fait un magnifique looping, c'est magnifique. Alors, c'est la classe, c'est le skill d'Oliver Plasmaille, attention. Et ça rigole pas. Donc voilà, le circuit space, vous allez voir en quoi il consiste, c'est qu'il y a à la fin trois embranchements différents. Vous allez voir dans pas longtemps. Et bien sûr j'ai tout monté, le montage est fait, donc voilà, on va apprécier ça ensemble. C'est... Parce que je procède ainsi. Parce que dans CircuitTube, vous avez vu quand même que je galérais et que j'ai perdu plusieurs fois et c'est assez chiant à regarder, donc je m'en excuse et d'avance et voilà. Même si c'est pas trop d'avance, mais c'est pas grave. Ça fait un an que j'ai envoyé cette vidéo, que je l'ai postée. Donc voilà, c'est pas trop d'avance. Et donc comme vous pouvez le voir, là, j'ai fait le premier embranchement, c'était à gauche. Et là vous allez voir en face, quand on va en face, un autre embranchement encore une fois. Ce circuit bon, est assez original, même s'il n'est pas très difficile. Il y a pas mal de boss que j'ai mis là, comme vous pouvez le voir. Ça peut être un peu relou, mais bon c'est marrant. Voilà, finished et on va bientôt voir mon magnifique record. En fait je l'ai parfait plein de fois mon circuit. Et vous allez voir à droite, voilà, là, le troisième embranchement, le dernier, qui est le plus long. Donc on peut pas trop faire des runs, sur, enfin une run plutôt, sur ce circuit. Parce qu'il y a trois embranchements et il y en a un qui est plus long que les autres, les deux autres. Et voilà, c'est la classe, vous voyez, c'est vraiment la classe. La classe à la Oliver Plasma. Ce skill légendaire qui a été monté. Magnifique. Bon, j'ai pas trop perdu dans ce circuit, j'avais perdu deux fois. Encore ça. Non, c'est le circuit sauterelle que vous allez voir bientôt qui est atroce. Et oui, le circuit le plus hard que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait toujours mouche, hein. Ça fait carte postale, franchement, le ciel, là, c'est magnifique. Les couleurs sont très bien choisies. Et voilà, je sais pas pourquoi j'ai mis 14 sur 20 en graphisme sur Wii, parce que pour un jeu de Wii, bah c'est très beau. Bon, même s'il y a les arbres qui font un peu tâche là, mais c'est pas grave. Voilà, magnifique panorama. Voilà, c'est... Merci le ralenti, hein. Vraiment merci le ralenti, heureusement qu'il y a ce truc là dans les jeux de course. Pour tout vous dire, bah, ce Trackmania... Ah, j'ai fait un petit fail. Ce Trackmania est vraiment l'un des seuls jeux de course qui m'intéresse vraiment. Bah, il m'intéresse tellement que j'ai carrément créé des circuits, donc c'est pas rien. Ouais, puisque Need for Speed à côté... C'est vrai que j'avais un peu la nostalgie de Need for Speed sur GameCube, le 2. Mais bon, c'est pas non plus un titre exceptionnel, et bon... J'y joue plus trop. Donc voilà, sinon sur ce, je vous dis à la voyure pour de nouvelles aventures et on se retrouve dans un autre Trackmania Editor, un autre épisode.